Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique d'étirement autour des jambes. On va étirer l'arrière des jambes, peut-être jusqu'au niveau des fessiers, un peu l'intérieur des cuisses. Alors encore une fois, les ressentis dans votre corps, ils dépendront de comment vous êtes quand vous venez vous installer sur le tapis aujourd'hui. Si jamais, quand on va rester assis pendant toute la séquence, vous l'avez vu dans le titre, étirement en posture assise, s'il y a besoin, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur une couverture. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'assoit sur une couverture? On va prendre juste un tout petit peu de temps pour expliquer ça. Si jamais, je vais vous mettre profil pour que ce soit plus visible. Quand vous vous asseyez sur le tapis, vous êtes plutôt comme ça. Vous voyez, mon bas du dos, il est plutôt arrondi. Et du coup, c'est dur. Vous essayez de vous redresser, mais vous sentez qu'il y a un truc qui bloque. Bon, un truc qui bloque, ça s'appelle le bassin en général. Quand c'est ce cas-là particulier. Et pour finalement réussir à vous dresser complètement, il faut basculer le bassin pour qu'il retrouve une position à peu près neutre et qu'il soit à peu près perpendiculaire au sol sur lequel vous êtes assis. Ce qui n'est pas toujours possible pour plein de raisons. Parfois, ça peut être justement pour des tensions à l'arrière des jambes, au niveau des fessiers, où vous avez les muscles qui sont un peu raides et moins souples et du coup qui font qu'ils restent. Ils sont moins longs et du coup, vous êtes un peu. Ils ont du mal à s'étirer pour vous permettre de vous redresser. Je caricature énormément s'il y a des professionnels de l'anatomie par ici, ne m'en voulez pas, mais c'est pour un peu illustrer mon propos. Et du coup, pour ça, ce qui aide à faire la bascule du bassin, c'est de venir s'asseoir sur une couverture. Alors, parfois, une petite hauteur suffit et parfois, il y a besoin d'un peu plus haut. Donc, vous voyez ce qui vous permettra, une fois que vous êtes assis sur cette plus ou moins petite hauteur, de sentir que le bassin, il a... En fait, si vous mettez vos mains sur vos hanches, le bassin bascule légèrement vers l'avant. Encore une fois, pas trop, on ne cherche pas à creuser le dos, on cherche juste à se redresser. Ok ? Donc, une fois assis ou non sur la couverture ou sur une plus grosse épaisseur, ça peut même être un coussin du canapé s'il y a besoin, le coussin est un peu plus haut en général. On va simplement s'asseoir en tailleur et peu importe la variation du tailleur que vous avez pris, relâchez les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Laissez les épaules se détendre un peu, peut-être même en les bougeant légèrement. Et ici, dans cette posture assise, voyez où est-ce qu'éventuellement il y a des tensions dans votre corps. Est-ce que c'est plutôt sur les fessiers? Est-ce que c'est sur l'arrière des jambes? Est-ce que c'est sur l'avant des hanches, le dessus des cuisses? Et simplement notez ça. Et puis vous allez venir inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on va venir se pencher vers l'avant. On relâche les mains sur le sol, on laisse le dos se relâcher ici. Peut-être qu'il y a les coudes pour certaines personnes qui vont se déposer dans le sol, peut-être pas. Et ici, une fois que vous êtes penché vers l'avant, alors vous pouvez très bien être là en étant penché vers l'avant, observez ce qui se passe. Où est-ce que... Alors moi je me redresse, c'est juste pour pouvoir vous parler, mais si vous pouvez vous pencher plus, allez-y. Où est-ce qu'il y a des tensions à nouveau dans les jambes? Est-ce que ça a changé par rapport à quand vous étiez redressé tout à l'heure? Est-ce que c'est au même endroit? Simplement respirez ici. Et puis tout doucement, on vient se redresser. On va changer le croisement des jambes. Alors normalement, vous avez pris celui qui était confortable, on va prendre l'autre. Donc une fois que vous avez changé le croisement des jambes, on refait comme tout à l'heure. Les mains sur les cuisses, on lâche un peu les épaules. Et là déjà, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que votre dos est toujours plus ou moins droit? Est-ce qu'il y a des tensions qui sont mises ailleurs dans les jambes? Ou est-ce que ça n'a rien changé? Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre corps. Et puis à nouveau, on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient se pencher vers l'avant. Donc pareil, plus ou moins bas vers l'avant. On observe ce qui se passe dans les hanches, dans les jambes. On respire dans la posture et simplement on note. Et peut-être que vu que c'est pas le côté confortable, vous descendez peut-être moins bas. Vous avez peut-être des tensions plus dans ce côté qui est moins confortable. Ou alors dans l'autre. En tous les cas, des tensions qui n'étaient pas là ailleurs. Par ailleurs tout à l'heure. Et puis tout doucement, on va venir se presser. On va venir. Alors moi je vais juste me mettre de profil pour que ce soit plus visible. Hop.
On va venir allonger les jambes devant soi. Pour l'exercice, vous n'êtes pas obligé de flexer les pieds. Si vous voulez les flexer, allez-y. Ce qu'on va chercher, c'est un étirement plutôt sur l'arrière des jambes. Mais encore une fois, en fonction de là où il y a des tensions chez vous, peut-être que ce sera plus sur le bas, plus sur le haut, ou même peut-être que ce sera dans le dos ou au niveau du bas du dos. À voir. Si jamais c'est trop de tension quand vous penchez vers l'avant, alors déjà, vous pouvez ne pas vous pencher beaucoup, mais sinon, vous pouvez aussi légèrement plier les genoux. À vous de voir, on relâche le buste vers l'avant. Et on note, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je descends très bas? Est-ce que je descends moins bas? Et sans forcer, hein. Mais c'est juste de pouvoir respirer quelques instants ici dans la posture, de ressentir un étirement quelque part sur l'arrière du corps. Et vous pourriez noter que si vous faites cet exercice, par exemple, admettons qu'on est le matin aujourd'hui, au moment où vous pratiquez, ben si vous refaites ça ce soir, peut-être que les choses seront différentes. Et à l'inverse, hein, si vous êtes en fin de journée et que vous faites ça le matin, vous verrez que le matin, vous allez descendre beaucoup moins bas. On respire ici. Et puis tout doucement, en inspirant, bien se redresser. On va venir faire une dernière posture, donc on est face à vous. Et on prend la posture du papillon, on va chercher l'étirement sur l'intérieur des cuisses. Donc on ramène les deux pieds l'un contre l'autre, on laisse les genoux s'ouvrir ici. Donc je vais juste reculer. La couverture pour avoir de la place. On vient déposer les mains autour des pieds, on inspire. Et à l'expire, on vient se pencher vers l'avant, on relâche. Et à nouveau, où est-ce que je les ressens, les tensions ici? Est-ce que c'est effectivement sur l'intérieur des jambes ou c'est plus dans le bas du dos? Notez ce qui se passe et comme à chaque fois qu'on vient se pencher vers l'avant, on n'est pas obligé de descendre très bas pour avoir des sensations dans le bas du corps. Et puis tout doucement, on inspire, on vient se redresser, on attrape les genoux de chaque côté, on vient refermer les genoux, on peut serrer les genoux vers soi. Voilà, petite séance terminée. C'est une séance que vous pouvez faire le matin, que vous pouvez faire le soir. La seule différence, c'est ce que je vous disais quand on est dans les postures, c'est que vous descendrez plus ou moins bas en fonction du moment de la journée où vous réalisez l'exercice. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, voire même à partager la séance autour de vous si vous pensez qu'elle peut être utile à certaines personnes que vous connaissez plus ou moins bien. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, faites-le. Il y a une nouvelle vidéo qui est publiée chaque dimanche en fin de journée vers 18h. Donc, moi, je vous dis... à très vite pour la suite.